13, 12, 24, 60, 90, 84. 272, c'est le numéro de la rue de d'où j'habite. 37, c'est ma taille de pointure. 170, c'est le nombre de centimètres que je fais. Lilou 24, c'est mon mot de passe de mon compte Gmail. 06 24 13 72 83, c'est mon numéro de portable. 36, c'est ma taille de pantalon. 01 12, c'est la date d'expiration de ma carte bleue. Bah, ma mère, elle m'appelait Nano. On m'appelle souvent Anna aussi, je sais pas pourquoi. Souvent sur les réseaux sociaux, je m'appelle Nanou parce que c'est ce que je préfère. J'ai lu quelque part que Anne, ça voulait dire la compréhension, le fait d'être près des autres. Je sais pas, une fois j'étais dans un hôtel et j'étais, je sais pas, quelques étages. Et donc j'avais une vue sur la mer et. Voilà, c'était beau. Je voyais le ciel et les vagues et les mouettes. Moi, j'adore voyager. Plus tard, j'aimerais vraiment faire un tour du monde ou visiter vraiment toutes les cultures parce que je suis déjà allée pas mal de fois en Espagne, mais jamais en Afrique. Une fois, il y avait un prof qui a frappé un élève, puis ils ont commencé à se battre. Donc je me suis levée et je me suis interposée. Je me sentais vraiment pas capable de faire ça et ça m'a surprise juste moi-même. Bah oui, quand on a peur, je sais pas, on se sent pas bien, on a juste envie de fuir. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur, mais c'est avancer malgré ses peurs. J'aime bien manger les hot dogs, mais avec du pain au lait à la place du pain normal. Et toute ma famille trouve ça très bizarre. Mon père, il fait tout le temps des blagues nulles. Et ça fait toujours beaucoup rire tout le monde. Dont moi. Et du coup, à table, ça arrive souvent que ma mère me crache sa soupe à la figure, vu que je suis en face d'elle. Ma mère m'appelait Tom Tom. Mes amis en général m'appellent Tom et mes amis proches m'appellent Tommy. Mon meilleur ami m'appelle Ducon. Mon pseudo sur internet c'est Dark Tom du 72. C'est grand, il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de gens qui courent de partout, des très très grands immeubles. Il y a des gens pressés avec des sacs et des téléphones aux oreilles qui vous bousculent tout le temps. Ça sent l'essence. Il y a beaucoup d'odeurs en fait, vu que plein de gens qui sortent de boutiques de parfumerie, il y a les snacks de partout, les voitures, tout ça, donc il y a beaucoup d'odeurs différentes. Je suis grand et parfois c'est un peu saoulant de se faire remarquer tout le temps et puis les blagues du genre il fait quel temps là-haut et tout, ça finit par plus être drôle au bout d'un moment et puis voilà, tout le monde nous remarque tout le temps. Voilà. On a toujours l'impression qu'on est plus mature, qu'on a plus confiance en nous, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin, c'est pas forcément vrai. Quand on est petit, c'est dur de voir les visages des gens, il faut souvent lever la tête. La plupart du temps, les gens sont plus grands que moi, donc ils font pas attention à moi et
Bah ça m'est arrivé qu'on me bouscule également dans la rue. Et moi, je peux pas faire grand-chose puisque je suis comme ça, je peux pas me rajouter des centimètres. Une cabane en plein milieu de l'Amazonie, j'imagine une petite cabane en bois, un rond de bois, et avec pas grand-chose autour, des grands arbres et pas mal d'animaux, mais un peu le vide. Pas trop de vie autour. Le bruit des oiseaux, le bruit du vent, les feuilles des arbres. Mon doudou, mon seul et unique, c'était un koala. Et je passais toute ma vie avec, je dormais, je mangeais, je faisais tout avec, même en voiture. Une fois, j'étais énervée, je l'avais balancé par la fenêtre et mes parents étaient obligés d'aller le chercher sur l'autoroute. Il est tellement vieux qu'aujourd'hui, il me reste des petits bouts, il y a la tête, les pattes. C'était un lapin qui faisait de la musique quand on tirait une ficelle. C'était un lapin, il était doux du coup. Du coup, je l'ai appelé lapin doux. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le tartiouf. C'est un gâteau, je sais pas d'où ça vient, c'est ma mamie, elle le fait. Un gâteau aux pommes, une tourte aux pommes exactement. Il y a 3 kilos de sucre et 3 kilos de beurre, mais c'est trop bon. Les gens là-bas, ils sont vraiment géniaux. On leur demande quelque chose et ils vont tout de suite, oh bah oui, bien sûr, on va regarder ça. Ils vont vraiment essayer de vous aider à parler de... aux gens de vos problèmes, tout ça, essayer de trouver une solution vraiment avec vous. Et j'aimerais beaucoup faire pareil plus tard. Et je fais tout pour faire pareil aujourd'hui. Thank you.